Salut à tous les amis et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui sur Death Stranding. Et les amis, j'ai fait le tour. Hein. Regardez la map avec moi, tranquillement, on se fait plaisir. La dernière fois qu'on s'était laissé, on était là, la ville relais des montagnes. Hein. Beaucoup plus facile à dire que ça là. Ville de distribution au nord de la ville relais des montagnes. Voilà. Du coup, j'ai pu faire tout ce trajet de la Muerte avec mon camion qui était full vide. J'ai mis un petit générateur là. Hein, il est beau, il est magnifique. Mais bon. On doit trouver un moyen de convaincre Lochne, et en regardant nos magnifiques emails, vous pourriez bien parler à Mama pour moi. Donc du coup, ça veut dire que les amis, hein, c'est pas écrit de manière legit, mais il va falloir se rendre là. Là. Voilà, il va falloir se rendre là, et pour ce faire, on va faire quelques missions secondaires ensemble, alors on va partir, hein. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, les amis. Que de faire des missions secondaires pour se pour mettre le camion en jambe. Hein. Regardez-moi ça, il a full batterie, il est full plaisir. Je sais, vous êtes bien content. Et on a passé la barre des 120 000 likes. Allez, 120 000 likes, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Kuro. Kuroketsuyo. Si, les amis. Ouais. La VOD à 120 000 likes, sauf que c'est pas une VOD, c'est genre le jeu. Quoi. Enfin bref, bah. J'ai fait une route d'ailleurs là-bas parce que j'avais des matériaux sur moi, mais bon, tout le monde s'en fout pour l'instant. On est tranquille. Là, la vidéo elle va être un peu plus chill, hein, j'ai envie de dire, les amis, parce qu'on a juste des livraisons à la con à faire. Enfin, des livraisons à la con, elles sont quand même bien lourdes, hein, mais enfin, des livraisons à faire. Attends, mais du coup, si je prends cette route de merde, hein, j'utilise pas des batteries, mais genre le camion il va prendre tarif. Arriver au-dessus. Du coup, on doit quitter ici. Hop là, on se fait plaisir. Hein. Là. Non, mais. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je vous montrerai. Bah là, je vais essayer de faire l'histoire en fait. Je vais essayer de faire l'histoire. Faire une vidéo un peu hors sujet là, où on fait les quêtes secondaires et tout, les amis. Là. Quelque chose de brillant au fond du cratère. Oh. Des os, si t'es bourré. Hein. Le mec il est bourré, il nous dit ça quoi. Non, bref. Oh, il est la gueule de la côte. Le camion, je me demande comment il fait pour pas se retourner. On va pouvoir reprendre mon enregistrement. Waouh! Après une demi-heure de jeu. Là. Le cerveau est en souffrance. La souffrance et le cerveau. Gros chou là. Ok. Il est temps d'arriver sur notre dernière destination, les amis. Tché. 6. Le labo de Mama. And I guess. It will be the last place that I have to do. Ah, le cut magnifique, hein. C'était sûr, regardez, je peux. Hein. Sam, vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme? C'est ça. D'un délire. C'est insane! Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact. Attends, avec c'est-à-dire qu'on peut les casser, gros? Boum! Ça explose. Mais, comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échouer. C'est tout bénef.
Oh, j'ai trop envie d'essayer. Mais ça a l'air ultra chaud à utiliser. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupent cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Couper le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais... je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et l'ocneu a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de genre... je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir... de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé... on a pris un des ovules de l'ocneu et on l'a fécondé avec le sperme congelé du cap. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et... notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompe. Locke ne doit le savoir. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le. On doit le faire. Attends, si on le fait pas? Ah bah non, on doit le faire. Tout s'envole. Tout s'en va. Allez, Sam. Emmenez-moi voir le pneu. Vous voulez bien le fermer. Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. On peut la mettre dans le camion.
Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres. Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière, la caresse du vent, le parfum du monde. Quelle chance. Vous êtes encore reliés tous les deux. Ouais merde, on a plus les outils dans la voiture. Oh non. Du coup on peut pas utiliser le camion. Hey, oh oh oh. Et ben merde. J'avais préparé une super surprise rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave. On peut toujours changer un peu les règles. Moi qui m'a tenté à prendre mon putain de camion. Vas-y, fais générer un truc là. Fais rigoler. Attention. C'est quoi? Allez. Vas-y, fais-nous rêver mon pote. J'espère qu'il est fort ton petit môme, parce que là je vais le buter moi. Qu'il a faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. Ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool ça? C'est trop cool, mon pote. L'heure est au berserk. On va lui broyer sa gueule. Ouais, il a l'air un peu plus. Oulala. Courez, Sam, vite. Non. Je veux le buter. Ah oui, courez. Si j'ai pas envie de courir. Ah, j'ai pas de bateau. Oh my god! Oh my god! Désolé, hein, madame, mais. Non, ça non. Mon pote. On va devoir se battre, les amis. Ah ouais. Allez mon pote. Ça te fera pas de mal. Je me suis entraîné, les gars. Je me suis entraîné. Regardez ce pré-shoot. Youch. Eh ouais, les gars, il y a de l'entraînement. Hein. Toujours aussi nul, mon vieux. Fou là, je commence à stresser un peu là. Mais là on recharge mon pote. Niveau 2 les gars. Je pensais qu'on pouvait voir le pointeur laser et tout mais. C'est dur hein. Faut que j'écoute ma stéréo là parce que c'est le seul endroit où je peux le voir en fait. Pourquoi il se barre? Il est nul hein, ce pistolet mitrailleur. Ouais, vous savez quoi les gars? On va prendre l'arme anti-échoué. Let's go, let's go, let's go! On va pas que ça foute là hein.
Je sais, je pourrais utiliser mes deux dernières grenades, mais il est dans le rouge, hein. Allez, tu m'as raté, mon pote. Et puis après, ça fait full équipement, les gars. Enfin, full équipement, hein. C'est pas d'équipement, mais enfin, bref, on s'est compris. Je dois récupérer mes métaux et tout, hein. Je vais lui tirer une grenade. Puis en plus, j'en ai encore, mais je suis trop riche, en fait, hein, les gars. Regardez, ça va être les 5 dernières. Hein. Voilà, j'espère que vous avez kiffé parce que les berserks. Qui était le plus gros des berserks? C'est moi. Maintenant ta gueule, mon pote. Et là, il va me donner full matière. Hein. Ah, je sais. Je me demande comment vous avez réussi à faire ça. Si seulement on avait tous autant de talent. C'est parce que je suis trop fort, les gars. Putain, y en a beaucoup là. On est aussi une épopée. Ouais, attends 2 secondes. Je dois mettre les marchandises. J'étais un peu secoué, maman. Ouais. Oh, c'est pas très grave. Utilisez le véhicule, mes chers amis, mes chers compatriotes. Il est donc temps de se barrer l'autre bout de la map. Je crois, hein. C'est bien ça, il faut aller ouais, il faut aller là-bas, je crois. Eh oui, il faut aller là-bas. On va aller chercher des matériaux et en faire une route et tout, genre. Ouais, on est déter. Hein. Centre de distribution au nord de la ville relais des montagnes. C'est vraiment trop long à dire. Et on arrive à notre point C, les amis. On va pouvoir faire notre auto-paveur numéro énième 120 000. Hein. J'ai envie de dire. J'espère que vous êtes contents. Oui, vous êtes contents. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix d'être contents. Attendez, c'est pour les routes, c'est pour aller plus vite. Point C, retiré. Alors, il m'en fallait juste pas beaucoup, bon, c'est pas très grave. Alors là, je peux pas mettre un petit 300 là. Si, allez, on va mettre un petit 300 plus un petit 100 comme ça, hop. Et après, matière qui râle évidemment, sachant qu'on en a 10 000, on peut bien en mettre 108. Hein. Voulez-vous continuer? Non, je suis pas là pour faire les routes. Mais bien sûr que si, on est là pour faire les routes, les gars. En plus 300, hein. Huche. Vas-y, mon pote. Ça, c'est beau. Ça, c'est de la route, les gars. Ça, c'est de la route. J'apprécie. Plus beau move de ma vie. Route construite, t'as. Reconstruite, du coup. Elle a déjà été construite dans le passé? Ah bon? Je crois pas, non. Jamais de la vie, mon pote. T'as pas le droit de dire ça. Par contre, le véhicule tire la vie. Hein, bref. Il nous reste encore un point à aller faire une route par là-bas. Parce que j'ai pas envie de tout faire, en fait. Il nous faut des routes stratégiques pour le moment, les amis, parce que je n'ai pas assez de place pour mettre tous mes matériaux. Et pourtant, les amis, vous avez vu que j'en ai plus plein. Oh, le véhicule, il a fait un plongeon, mon gars. Même moi, dans la réalité, je plonge pas aussi bien. Quoi. Et là, il a how to dive, quoi, comme on dit. Dive, ça veut dire plonger, les plongeurs, tu sais, les... Bon. On s'en bat les couilles, je sais. Je devrais peut-être pas rouler comme un con, parce que je n'ai bientôt plus de batterie, en fait. Pourquoi j'ai pas rechargé batterie, Zmi? Parce que le point, il est là-bas. C'est pas comme si on était con, hein, pratiquement. Et qu'il y avait les mules avancées qui allaient nous poursuivre, nous chase, quoi. Non, pas trop. On a peur de rien, nous. Ah, gros, fous-moi la pêche, je me casse. Regarde-moi ça, je roule comme un sarde. Hop. Bah là, on n'a pas le choix d'accélérer parce que dans l'eau, on est trop lent. En fait, il faut que je me casse. Genre, on n'est pas bien, là, les amis. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, bah on n'est pas bien. Putain, surtout le truc qui est juste là, quoi. Ça me ferait chier de le rater.
Allez, gros. Allez, gamin. T'inquiète. C'est pas grave. T'es fort. Je commence à stresser là pour la batterie, mais regardez-moi ça. Le suspense est à son comble. Je me fais tirer dessus. C'est donc comme ça qu'on va se battre ? Marchandise. Portée sur le dos. Je peux pas la porter elle sur le dos. Elle va se faire buter. Faut que je les fuis. Faut que je les fuis, on va les buter. Oh la musique. C'est pas la musique des mules. Attends, ils nous cherchent. Ah ouais, ils sortent pas de leur territoire. J'ai pas envie de me mettre en sneak. On a un fusil d'assaut non létal, non? Ou pas, les amis? On va regarder. J'étais en train de regarder ce qu'il foutait, mais... fusil d'assaut non létal, ok... Oh, on a quand même pas mal de munitions. Hein. Après, au pire, on n'a pas une arme à feu, genre. De quoi les buter? Non. Bon, c'est pas trop grave. On n'est pas là pour faire blabla. On va rester caché pour le moment. Prochaine VOD, premier, on fera... Bah yes. Je me suis trompé, là. Oh, ça tire, hein. Les mouvements, par contre, ils se sont gavés. Hein. Pas de réanimation possible, si. Mais du coup, ils ne voient pas. Regardez. Voilà, hein. Ah bah, je crois que c'était le dernier. Objection ? Je savais que non. Alors, tout ce qu'on avait maintenant, les amis, on va se calmer. Hein. Voilà. Tac. Un combat acharné à mitraillette. Hein. Putain de full glitch. Allez gros. Menu de la structure, il est temps de faire notre petite route. Bien sûr. Il fallait que le véhicule ne soit pas reconnu. Comme si c'était intéressant quoi. Putain de con. On avait pas full extra hein. Vraiment j'ai calculé mon coup. Oh plus 2000. 132 000 likes les gars. 132 000. On a passé la barre des 100 000 likes. Hein. Enfin 130 000 likes. Hein. C'est énorme hein, pour un porteur comme moi, aussi fin et aussi maladroit. Pour un berserk, j'ai envie de dire. Parce qu'on est plus berserker qu'autre chose dans ce jeu. Hein. Et Vinci Autoroute aussi, mais ça compte pas, ça c'est à moitié. On peut pas prendre mon véhicule, il est cassé? Si, on peut, mais voyons. Bon, maintenant les amis, il est temps de se rendre à notre petite zone et faire la full cinématique parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ouais, tu fais peur. Hein. Et voilà, livraison partielle indisponible. Oh, on peut pas juste lui apporter une jambe. C'est complètement con là, les gars. Bon, les cinématiques, hein. Comme d'hab, hein. Ça fait plaisir. Ah bah, parle plus. Bellingham.
t'aime tellement. C'est si bon d'entendre ta voix. J'aurais dû te donner des nouvelles. J'ai tout essayé pour la sauver. T'inquiète, c'est pas ta faute. Lochne, il faut que tu répares son cupidon. Je n'ai pas pu sauver notre fille, mais toi, sauve notre monde. Toi seul. Je t'aime. Tu m'entends? Pour toujours. Et à jamais. Intégrité au monde, comme tu l'as fait pour moi. Et on l'a endommagé à 8% les gars. Et c'est en S, hein. Évidemment. Lochne connecté. On ne fait plus qu'une. Ouais, bah, quand t'es morte, c'est sûr que tu peux faire qu'une, en fait. Hein. Bon, enfin, bref. On a gagné full étoile, les gars. Avec ce drame magnifique, hein, on n'a qu'une envie, c'est d'aller péter la gueule de tout le monde, quoi. Ah, il faut aller l'incinérer. Fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code ? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingan. Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas, sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu servir de son invention préférée, elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi. J'ai des trucs space, hein, quand même, le petit Porter Bridges, là. C'est... Wow, oui, c'est insane. Ça y est, on va connecter. Avec le truc des UCA, comme ça, on va pouvoir faire full route, là. Enfin, je vais pouvoir faire full route tout seul. Parce qu'il est déjà tard là en cette journée magnifique. Hein. J'ai fait que 2 enregistrements les gars. Et ça m'a pris 6 heures. Oula, il y a des parties non connectées là. Il va falloir faire des petites missions. Oh.
Yes, rejoint les UCA. Nouvelles données d'entretien acquises. Point de vue des terroristes sur Bridges. Échoué une identification Lockneu et Mullingen. Stabilisateur. Ça permet de quoi le stabilisateur? Il va nous le dire ou pas? Ce serait inside. Cette zone est désormais. Vous pouvez notamment devoir des structures des autres joueurs y accéder. Mullingen? Oui, je t'entends. On ne fait plus qu'une. Toi et moi. Comme quand on était dans son ventre. Tu te souviens? Mullingen. Lockneu. C'est du bon travail, Sam. Grâce à vous, la ville relais frontière est enfin à notre portée. Nice. Quant à vous, Lockneu, votre travail de premier ordre va permettre au réseau chiral de rester actif, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous pourrions bien arriver à atteindre l'ouest. Au fait, Sam, il faut que je vous dise quelque chose. Oh, ça sent mauvais. Nous étudions les données du moment où vous dites avoir rencontré ces soldats. On a récupéré le son, qui ne suffit pas à reconstituer tout ce qui s'est passé, mais... les langues, les noms, les mots qu'on a réussi à identifier, et les munitions dont on a reconnu la nature. Tous ces éléments concordent et semblent indiquer que vous vous trouviez sur un champ de bataille remontant à plus d'un siècle. À la Première Guerre mondiale, pour être exact. Ce n'était pas un rêve, et ce n'était pas non plus une hallucination. C'est comme si vous aviez été aspiré dans une autre dimension. C'est trop cool. Étant donné les différences de temps, vous avez peut-être été envoyé sur une grève. Mmh. Mais tout ce que je vous dis là n'est qu'hypothétique. Ceci étant dit, je n'ai jamais entendu parler d'une grève transformée en champ de bataille. Mais on le sait, les grèves sont modelées par la volonté des gens qui y habitent. Hartmann aura peut-être une explication plus rationnelle. C'est son domaine d'expertise. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais il parle beaucoup en ce moment. Il ne fait pas encore partie du réseau chiral. Hartmann, quoi qu'il en le docteur, soit, là. Il faut vous reposer. Inutile de s'attarder sur des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. S'il faut se reposer, mon dieu. Nous apprécions vous. On va se reposer, hein. Mais c'est insane, quoi. Ah, le camion, il va être remis à neuf, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Les illusions du mirage. Ouais, on s'en fout. Je peux pas sortir? Faut que je fasse quelque chose. Hartmann y va parler. Lou. Ah non. Y a pas de bébé. C'est encore pire, les gars. Lou, c'est ça que vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour sur la grève, du moins, sur sa grève. Ne vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme. Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente. Deadman. Ça a l'air impressionnant, les amis, ce nouvel épisode, hein. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué comment fonctionnent ces incubateurs, dont on sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brises brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et ils n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est semblerait-il progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, ça. C'est trop cool. C'est parce qu'on est partenaires. Partenaire. Sam, un bébé est un outil, pas un être humain. Un pont, oui, un humain, non. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son problème? Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Mais c'est quoi le Il problème? Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule même des souvenirs. Le bébé 28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant.
C'est trop cool. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, Sam. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qui ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a 70% de chance de l'endommager de façon irrémédiable, rien qu'en essayant de l'extraire. Ce qui importe peu, parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Mais non. Il cessera de fonctionner? Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut rien faire. Le réinitialiser. Mais non. On le laisser, évidemment. Dans un premier temps, je couperai ce cordon qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Moi, je veux pas. Mais je le répète, pour ça, il va falloir me le laisser un temps. Mais ça va marcher au moins. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax, le bébé redeviendra parfaitement opérationnel. Il va falloir me faire confiance. Allez. Oh non. Ayez confiance, on va pas en faire un drame. Et c'est comme si on le réinitialisait, c'est tout. C'est exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Mais c'est le vrai Hortman ou quoi? Sam. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vais me faire baiser. On est à l'abri des oreilles indiscrètes ici. Il n'y a que vous et moi. Il n'y a pas de moyen de nous enregistrer. Ni d'analyser les mouvements de nos lèvres sur vidéo. Approchez. Die Hardman ne doit surtout pas le savoir. C'est primordial. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés. Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement, à la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Les bébés ont été interdits, et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Et qui en avait donné l'ordre? La présidente, Strand. Moijet? Les bébés jouaient un rôle clé dans la compréhension du mystère entourant le Death Stranding. Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Elle, ce qu'elle voulait, c'était les incorporer au réseau chiral, pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hardman? J'ai bien peur qu'ils soient impliqués. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous, comme vous vous connaissez depuis une paye. Je l'ai pas connu sans son masque, moi non plus. Il semble qu'il ait été brûlé au visage. Je vois. Désolé.
Les données que j'ai trouvées sur les box sont toutes classées au niveau de confidentialité le plus élevé, d'après ce que j'ai pu voir. Le directeur est le seul à être habilité à les consulter. Mais grâce au réseau Chiral, nous avons une nouvelle opportunité. Si je peux compiler les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays, alors je serai peut-être en mesure de reconstituer de nouvelles pièces du puzzle. Faites attention à vous, Sam. Elle vous surveille. Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. C'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Réparer le bébé, ok? Oh non, c'est vous qui allez le réparer. Je ne pourrai jamais y arriver sans votre aide. Allez consulter le terminal de livraison à l'étage pour voir les détails. Quand vous serez prêt, évidemment. Du coup, sachant qu'on n'a pas le bébé, on est obligé de... Deadman m'a dit que votre bébé ne ferait pas les performances attendues. Il va falloir qu'on mette votre mission principale en attente jusqu'à ce que son fonctionnement soit rétabli. C'est la seule unité compatible avec le Dooms. Et en vous enfonçant vers l'ouest, vous allez rencontrer de plus en plus d'échoués. Tenez, puisqu'on en parle, Amélie nous a informé de la présence d'une ceinture de poids près de la ville relais frontière. Une zone gigantesque, totalement envahie par des échoués, probablement amenés là par X. On a vraiment hâte que vous sortiez de là, c'est indéniable, mais... vous n'avez pas la moindre chance d'y parvenir sans votre bébé. Donc pour l'instant, votre priorité, c'est de donner un coup de main à Deadman pour qu'il le remette en fonction. Ouais. Puisqu'il est sur place, vous allez peut-être même pouvoir en discuter en personne. Sam, je suis un peu occupé en ce moment, alors j'espère que ça vous ennuiera pas qu'on s'en tienne au holo. Tout d'abord, il faut que vous parveniez à connecter un certain nombre de preppers de la région pour faire augmenter la densité chirale locale. Ouais, ça, c'est facile. Ça devrait permettre de renforcer la connexion entre le BB-28 et sa pseudo-mère. Ensuite, comme je vous l'ai déjà expliqué plus tôt, il va falloir qu'on corrige l'alignement de votre bébé. Pour déclencher le processus, il est nécessaire de mettre de la distance entre vous deux, de vous éloigner physiquement. Vous partirez en mission et il restera ici. Ça va être chaud, les gars, là. Si tout se passe comme je l'espère, votre bébé devrait retrouver un fonctionnement normal. Finalement, c'est pas plus mal. Grâce à ce plan, on va pouvoir avancer nos autres objectifs. Il faut absolument qu'on arrive à intégrer cette région au réseau Chiral. Ça va être chaud de ouf si j'ai pas de bébé, les gars. Des relations avec les preppers en leur apportant ce qu'ils demandent pour ensuite les persuader de nous rejoindre. Ce n'est pas évident de faire son nid ici. La montagne est hostile. Et pourtant, un grand nombre de gens ont quand même voulu tenter le coup. Vous trouverez des abris un peu dans tous les coins. On a toute une liste de commandes de leur part qui sont en attente de traitement. Mais attention, Sam. N'oubliez pas que vous avez affaire à des gens qui ont choisi de vivre là. Des gens qui tiennent beaucoup à leur vie privée. Alors n'allez pas vous imaginer qu'ils vont être faciles à convaincre. Vous allez devoir gagner leur confiance petit à petit, une livraison après l'autre. Et encore une chose, Sam. Vous allez effectuer des courses sans bébé pendant quelques temps. Votre capacité à détecter les échoués en sera nettement diminuée. Alors restez aux aguets et faites attention à tout ce qui sort de l'ordinaire. Et restez le plus possible à distance des précipitations. Les routes, hein. Les routes, les gars, les routes, hein. Mais bon, nous, les amis, on va s'arrêter là pour cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'elle soit quand même devenue plus longue que ce que je pensais, hein. Mais bon, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like pour les berserks, pour anéantir tout le monde, pour tous les buter, les liquider. N'oubliez pas de commenter la vidéo aussi, et bien évidemment, et de vous abonner pour qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, les amis.